Bonjour, le Flaubert, rue Flaubert. Nous sommes au cœur de la bistronomie. C'est le grand chef Michel Rostand qui crée cet établissement qui marqua la bistronomie à Paris. Un nouveau propriétaire vient d'arriver et surtout un nouveau chef, un chef coréen. On va découvrir un chef coréen dans ce cœur de la bistronomie. On y va. Bonjour chef. Bonjour. Alors je crois que vous êtes coréen. Oui, je suis coréen. Mais que vous aimez bien la cuisine de bistrot française. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui au déjeuner? Aujourd'hui, je prépare un tartare de bœuf façon asiatique. Un tartare de bœuf façon asiatique, on y va? On y va. Dans le tartare, il y a poudre de piment. Poudre de piment. Et un petit peu de sucre. Un peu avec du sucre. Et sauce soja. Sauce soja. Huile sésame. Huile de sésame. Et confit de gingembre. Confit de gingembre. Et coriandre. Coriandre. Sébétail. C'est bête Thaï, donc de Thaïlande. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi de l'ail. Hein. Oui, il y a une grosse Thaï. Il y a graines de sésame. Graines de sésame. Après, il y a condiment avocat. Condiment avocat que vous faites vous-même. Ouais. Ça, c'est le secret du chef. En Corée, on sert le tartare en entrée et pas en plat principal. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est une façon très dégustative de commencer un repas. Viande parfaitement hachée. Et puis il y a surtout des arômes, c'est puissant, mais en même temps c'est très bien intégré, c'est très équilibré. Il faut savoir que le chef est passé chez William Ledeuil, qui est vraiment un expert dans l'assaisonnement. Un joli plat à découvrir dans ce Flaubert, rue Flaubert, où sont encore maintenus les grands plats de la tradition de Michel Rostand, l'ancien chef, les quenelles notamment. Il faut revenir aussi pour ce jeune chef coréen qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.